C'est rien, moi. T'as des questions, toi? Tu filmes? Ouais, je viens de le lancer là. Ok. On se la joue comme si t'étais un participant et moi l'animateur, d'accord? Ok. Attends, il faut tuer des je vois des zombies qui traînent. Oui, c'est moi qui les ai mis. Appuie zombie. Mais non, mais c'est moi qui les avais mis. Ben oui, mais je les ai tués. Mais pourquoi? Ah, je croyais que tu les balançais en fait une fois que j'arrivais. Bon, ben désolé. Non, ils sont déjà là, c'est bon. Ok. Ah, oh, putain, les moustiques à la con, je déteste ça. Te mets pas là, ils vont t'accrocher. Il faut que tu restes en haut. Bon, tu me dis, hein. Enfin, vas-y, Ok. fais ton présentateur, je sais pas quoi là, vas-y. Fais ton beau, vas-y. Bonjour, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour le premier épisode des shows hardcore et c'est le parcours infernal aujourd'hui. Bonjour Nico Delpra. Salut! Bon, première petite question, présente-toi. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Non, je vais reprendre ma voix normale, ça va être compliqué sinon. Je m'appelle Nicolas, je viens de Toulouse, mais en fait je suis originaire de Perpignan. Ok, alors donc je t'explique un peu la règle du jeu. Donc c'est le parcours d'Infernal qui est constitué de trois parties. La première partie est il s'agit d'une succession de sauts en altitude sur des plaques de verre pour un petit peu de vertige, vois-tu. Deuxième partie, un labyrinthe sous l'eau avec une seule sortie, faudra que tu la trouves et là, faudra éviter de se noyer. Et puis la troisième partie, un petit parcours de combat avec pas des mots de spawner, mais avec quatre zombies qui t'attendent pour te mordre les fesses. Alors quelle partie tu crains le plus? La partie sous l'eau. Ok, alors es-tu chaud patate, prêt à partir? Ah, je suis bouillant. T'es au niveau de la torche, c'est bon, elle te chatouille les zigounettes? Elle me chatouille, mais je suis un robot, je ne suis pas chatouillant. Ok, ah, quand je te dis top, c'est parti. Alors 3, 2, 1, c'est parti! Et voilà, je vois qui s'est J'y suis lancé, il est tombé! tombé! T'es mort, hop! Nous sommes à 5 secondes 05. J'ai battu des Voilà. records. T'as battu ton record, c'était nul à chier. J'en profite pour dire que j'ai oublié de raconter de te expliquer un peu les règles. Alors les règles, c'est que tu n'as qu'un seul essai. Donc en gros, c'est que t'as qu'une seule vie. Si tu tombes dans l'eau ou si t'es mort, bah t'es éliminé. Donc là, bah t'es éliminé. Donc tu seras chronométré et bien sûr, le meilleur chrono à la fin de cet épisode aura gagné le magnifique lot qui est un DVD de saison au choix Minecraft Hardcore. Bon allez, je suis gentil, t'es le premier. On est tout seul, tous les deux. Je te donne un deuxième essai. Attends. On va le faire un peu plus sérieux là. Es-tu prêt? Ouais, vas-y, vas-y. Trois, Ah, il y a les 2, flics qui s'en vont au passage. Bon, 1. c'est... T'es parti! Le chrono est lancé, Nico Delpra aussi, il s'élance, oulala, il saute de cube en cube, est-ce qu'il s'est fait mal, est-ce qu'il est en mode Oh! god, on sait pas, il est retombé! Hop! 8 Ah merde, secondes ouais, j'étais toujours en 02. god en plus. Ah putain, je fais Oui, c'est. n'importe quoi là. T'as battu ton record, hein, 8 secondes. Non, mais attends, là je le fais sérieux, attends, j'ai fait n'importe quoi. J'étais en train de regarder les flics qui partaient en plus, ça vaut pas. Allez, cale-toi la torche entre les jambes. Ça va, ça, ah, ça chatouille. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Je le vois, il est encore vivant, il est encore dans la course, et je ne vois pas d'ailleurs s'il est toujours en mode god. Non. J'espère pas. Oh, oh Très bien. putain! Et il est retombé! Il a battu son record. Ils sont encore 12 secondes 4. Ah mais c'est pourri en fait, il faut que j'attende de prendre le coup pour sauter sur le truc suivant. Tu n'as qu'un seul essai, je te le rappelle, en plein essai, tu n'y Ouais. arrives toujours pas. Attends, je me fais un petit heal. Bon. Fais chier quoi. Es-tu à nouveau prêt? Ouais. Mais en fait quand... Voilà, c'est bon, maintenant je sais qu'il faut que 3-2-1, c'est j'attende. parti. Ouh, il démarre en retard, mais il prend son temps, il a raison, il a déjà raté 3 fois. Deux Je le fois. vois qui saute, et qui Ah oh, remonte 3 fois. putain, ouais c'est bon. Oh, oh merde, j'ai pas eu le temps de voir le chrono, mais il était merdique. Ouais non mais non ça vaut pas ça. Bon on coupera. Non, coupe pas du tout. Allez, c'est combien? C'est 5ème, 6ème, je sais plus. Oh, attends, attends, j'ai pas dit top. Ouais, c'est parti, top. Oh, attends, je repars. Putain mais c'est abusé oh. Ah mais3, j'ai été perturbé par le passage des flics là. 2, 1, top. Ah, il se concentre. Il se fait mal au passage, il se casse les jambes. Wouhou, il est déjà un peu plus loin que tout à l'heure. Il a réussi le saut qui était mortel de tout à l'heure. Va-t-il y arriver? Saut fatidique. Ouh, il a réussi! Il est dans le labyrinthe! Ouh là là, la partie qui craint le plus, va-t-il trouver la sortie? Oh là 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 là! On croit en toi, Nico! Allez, allez, je vois, il est en train de s'étouffer. Non, non, il ressort, je le vois, je le vois, je le vois!
Il est toujours en vie. Oui, il se rapproche au niveau des zombies. Les zombies l'attendent, je le vois. Ouh là là, attention, aïe aïe aïe, il se fait mordre. Aïe aïe aïe. Oh, mais il est passé. Il est passé bientôt à l'arrivée. Il est à l'arrivée. Je vais bientôt arrêter le chrono. Et stop. Un petit plouf pour finir. 41 avait... secondes, 3. Il y avait des zombies? Oui. Ok. Voilà, t'as réussi au 5ème essai quand même. Bon, bon bah 41 secondes. 3. Combien j'ai fait au final? 41-3. Ok. Donc voilà, record à battre, 41-3. Petit appel au prochain participant, si vous battez Nico Delpra, vous aurez deux DVD au choix. Ouais. Enfin bon. On va dire que j'ai eu le droit à plusieurs essais, moi. Ouais, puis tu connaissais déjà un petit peu le parcours aussi. Un petit peu, ouais. Sous l'eau, j'ai pas perdu beaucoup de temps. Bon bah voilà, c'est la fin de ce premier épisode test, parce qu'il faut toujours des sessions test pour valider les choses. Alors, Nico Delpra, content, heureux, satisfait, pas content? Bah, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon bah tu as gagné, on va dire, au bout de 5 essais quand même. Quel DVD choisis-tu? Je peux attendre on le suivant. C'est pas grave, je te dirai en rentrant. Ciao, bye bye. Mais si, je veux un DVD moi. Oh. Monsieur Farnaké. Tu veux quoi? Le DVD saison 7. Saison 7? Tu veux même pas le DVD 2H, je suis sûr que c'est le meilleur de toutes les séries. Ah, peut-être, ouais. Bon, bah je rends l'antenne à vous les studios. Ciao, bye bye. Salut.